Tutoriel Archicad 27, bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous présenter Archicad version 27 pour voir vraiment ce qu'on peut faire sur cet outil. Donc, c'est parti! Hop, bienvenue! Là sur Archicad 27, je vais le lancer tout simplement pour voir ce qu'on peut faire sur cet outil. Donc Archicad là, proposé par Graphisoft. Alors c'est pas mal au niveau de l'interface. Premier pas, donc on peut avoir une aide pour voir des exemples de projets et de matériel. Donc là, j'imagine qu'il va nous envoyer en fait sur le site web. Sinon, rien n'empêche de faire nouveau ici pour faire un nouveau projet. Alors moi, j'ai pas ici de licence. Je vais lancer en mode démo juste pour faire eh bien un test. Donc on laisse le logiciel charger. Alors c'est vrai qu'Archicad, il est il paraît assez lourd comme ça, mais il propose quand même beaucoup de possibilités. Alors, on peut utiliser par exemple de l'architecture ou alors faire de l'ingénierie structurelle ou basique. Voilà, donc ça, c'est plutôt, ça dépend du profil. On peut déjà tester en basique pour voir ce que ça donne. Je pense qu'il y aura moins de possibilités, c'est pas plus mal, on va faire nouveau. Donc bah, si vous voulez faire de l'architecture, bah, vous mettez de l'architecture, vous aurez plus de portes, tout ça, je pense. Mais sinon, grosso modo, voilà l'interface. Alors je vous passe en plein écran, comme ça vous verrez mieux. Alors ce que j'aime bien moi sur Archicad, c'est qu'en haut à droite, en haut à gauche, vous avez eh bien, tout ce qui est dessin, etc. Donc on va retrouver fichiers. Bon, ça c'est pas mal, hein, comme on en a l'habitude, par exemple les options, les préférences du projet. Ça, c'est plutôt intuitif. Et puis, dans l'espèce de ruban, là, on va retrouver des choses simples. Alors, ça reste un outil que je trouve assez épuré, pour le coup. C'est assez agréable, c'est pas trop compliqué. Hein. C'est pas une usine à gaz, il me semble. Voilà, mais pour autant, une fois qu'on est habitué avec l'interface, on voit que là, à gauche, bah on peut faire mur, poteau. Donc là, j'ai utilisé la version basique. Du coup, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu moins de choses. Pour autant, vous voyez que je peux mettre des charges, etc. Je peux faire des coupes. C'est tout ce qu'il nous faut en général en structure. C'est vrai que là, je ne suis pas en architecture. Ça veut dire que je ne vais pas pouvoir mettre autant de choses que je voudrais. Mais franchement, pour faire une modélisation rapide, ça me suffit largement, quoi. Poteau, poutre, mur, dalle, c'est parfait. Et puis à droite, c'est tout ce qui est arborescence du projet. Premier étage, rez-de-chaussée, donc ça, c'est super intuitif, et même les coupes. Et puis ce que j'aime bien, c'est qu'il y a les nomenclatures qui vont se glisser dedans. Il y a déjà des 3D qui vont être disponibles. Il ne nous reste plus qu'à travailler, en fait. Donc c'est parti! Commençons par les murs. Alors ici, quand on clique, on a plus de possibilités. Mais c'est vrai que si c'est un mur là générique, sans couche, sans rien, vous voyez là, j'ai pas besoin de coque, j'ai besoin juste de béton, je vais faire mur générique. Donc attention, si on clique ici, on a le mur par défaut. Mais moi, je vous conseille de cliquer là, ça vous permet de choisir. Moi, je vais pas prendre celui-là, je vais prendre celui-là. Voilà. Donc c'est un mur classique. Et on voit que on peut directement configurer un certain nombre de choses. Là, il va aller du rez-de-chaussée au premier étage. Bon, c'est pas plus mal. Et je vais pouvoir régler aussi des choses. Donc, si je clique un premier point, je vois déjà qu'il va me demander ensuite un deuxième point. Donc, on voit que je peux zoomer avec la molette. Je peux indiquer un autre point. Je peux aussi taper une valeur. Alors là, je pense que je suis en mètres. Je vais essayer, on va tester. Je vais taper 5 pour voir. Donc 5 en mètres, entrée. Donc visiblement, on est en mètres. Alors là, il m'a pris quand même l'épaisseur. Si je clique ici, vous voyez, il m'a mis 30, visiblement. Il m'a quand même mis quelque chose dessous. C'est pas très très grave ce qu'on va faire. On va arrêter, on va utiliser la flèche et on va voir
Donc je fais échappe et je vais aller voir ce qui m'a fait en double-cliquant par exemple. Non, non, il n'y a même pas besoin. Je vais aller voir ce qu'il me propose. Donc mur extérieur, je vois que effectivement j'ai bien un mur d'extérieur. Ensuite, si je veux m'amuser à modifier les compositions du mur, je regarde. Moi, ça, je voulais pas forcément voir ça. Je voulais cliquer ici. Et là, j'ai un mur plutôt basique. Hein. C'est-à-dire qu'il est, il est basique. Il y a pas d'isolant, il n'y a pas de fioriture. Par contre, là, il est en bois. Hein. Donc, je peux très bien lui demander de me le mettre en quoi? Eh bien, en briques, en métaux, en pierre, en structure, en béton armé, banché. Voilà. Donc là, j'ai quelque chose en béton armé, banché. Visiblement. Et puis, c'est plutôt pas mal. Donc maintenant que j'ai fait ça, je vais quand même vérifier avec les outils. J'ai repéré un outil de mesure, la largeur de ce truc-là, pour tester. Donc de là à là. Ça, j'aime bien, c'est visuel. Et il me met. 30. Donc là, j'ai 30 cm. Je fais échappe pour échapper à cette fonction. Donc si je clique, je vois l'épaisseur du mur qui est bien à 30. Moi, je la voulais à 20. Je vais taper 0,20. Voilà. Alors, on va recommencer en cliquant là sur mur. On va se mettre en mur générique. Double clic. Et puis, je vais vérifier quand même qu'il ne me fasse pas de bêtises. Donc, je suis bien en mur générique. Je suis bien en. Je vais me mettre en quand même en structure béton banché et je vais me mettre en épaisseur 0,20. Comme ça, j'aurai pas de souci par la suite. Alors, je vais venir cliquer un point ici avant de continuer à tracer. Je vais taper 5 encore. Je vais repartir là. Je vais remettre 5 ici. Mince, je suis bête, je crois que j'ai cliqué. Alors je vais faire retour en arrière. Ici. Voilà. Et puis on va recommencer le mur. Je vérifie que j'ai bien les derniers paramètres. C'est tout bon. Je me mets là. Et je mets cette fois-ci 5. Voilà. Bon, après ceci dit, je peux très bien mettre d'autres valeurs. Par exemple 2. Ensuite 3. Et puis je vais venir finaliser, essayer de finir la boîte quoi. Alors, on voit que je peux aller chercher ici, peut-être même ce point-là. Voilà. Et on va voir si ça fonctionne. Si je clique de là à là. Voilà. Donc, bon, on est plutôt pas mal. Après, au niveau des accroches, moi je connais pas trop l'outil. Je vois que là, il m'a pas. Il s'est pas super bien accroché, mais. Voilà, je peux aller chercher peut-être. Bon, ouais, c'est pas évident quand même au départ. Alors peut-être qu'il y a un mode d'accroche pour corriger tout ça. On voit par exemple que je peux très bien sélectionner ces deux-là. Voilà, en maintenant contrôle ou maj. Et en faisant contrôle, j'arrive à faire des choses. Sinon, le plus simple, c'est peut-être d'utiliser tout simplement ça. Voilà, pour que lui vienne s'accrocher. Donc on arrive quand même à faire des choses assez intuitivement comme ceci. Bon, là il y a un petit couac à cet endroit-là, mais vous voyez, j'arrive quand même à cliquer ici pour forcer ça. Et ça, je pourrais le supprimer en fait. Bon. Après, c'est ça, il faut faire attention, c'est comme tous les outils, à ce qu'on fait. Mais vous voyez, grosso modo, sans connaître vraiment. L'outil, j'ai réussi quand même à modéliser un mur. Je peux maintenant que je comprends ce que je fais, eh bien, je peux faire une cloison par exemple je sais pas moi, en bois. Je vais faire quelque chose comme ça en aggloméré. Enfin, je fais vraiment au pif. Hein, je peux très bien essayer de faire une cloison de là à là. Voilà. Bon, là, la cloison, je peux la prendre et la mettre en 10. Voilà. Et je peux très bien la déplacer en laissant appuyer. Et la mettre ici. Voilà. Donc là, j'ai matérialisé ça. On va tester un poteau au milieu. Donc poteau, c'est toujours la même histoire. Hein. On va choisir ça. Mais franchement, poteau générique, moi, ça me va très bien. C'est-à-dire que là, je mets un poteau 30 par 30. Je clique et j'ai un poteau qui s'est placé. Échappe. Je vais pouvoir faire une poutre. Alors, poutre, je regarde les possibilités. J'ai pas poutre générique, c'est pareil. Parfait.
Je sélectionne ma poutre fait 30 de large, je la mets de là à là, déjà dans un premier temps, puis une de là à là. Voilà. On va faire un petit test en 3D. Alors en 3D, on va cliquer sur perspective ici générique et on va vérifier. Bah voilà. Donc je dézoome hein, pour voir un petit peu ce qui se passe. Alors on voit que ouais, c'est pas mal le béton banché. Alors navigation, il faut pas que je fasse de bêtises. Navigation, alors comment ça fonctionne? Alors parce que chaque outil est différent. Navigation. Pour faire donc un déplacement panoramique, je maintiens la molette. Pour zoomer, bah, c'est avec la molette. Pour faire de l'orbite, ça j'ai pas trouvé encore. Je sais pas si c'est mage. Non, c'est pas mage. Si c'est mage plus molette en fait. Hein. Donc ouais, mage plus molette me permet de faire de l'orbite 3D. C'est-à-dire que je tourne autour de mon bâtiment. On voit que mes murs, j'ai pas vérifié mes murs. Donc au niveau de l'ancrage, ils sont pas tip top. Je pense que ça, c'est dû au moins 15 que j'ai mis là. Si je mets 0, voilà, il remonte. Ce qui est pas plus mal. Et puis en haut, bah c'est pareil. Je sais pas pourquoi il est peut-être pas il est peut-être pas accroché correctement. Voilà pourquoi. Et sinon, bah, j'ai un poteau, j'ai une cloison, j'ai une poutre. Donc pareil pour la poutre, si je clique sur la poutre, elle dépasse. Donc il faut vérifier pourquoi. C'est tout simplement parce qu'il n'y a pas de dalle. Et forcément, la poutre va aller chercher plutôt le niveau fini, tandis que le mur ira chercher la surface de... Enfin, ira chercher la dalle, quoi. Donc bon, à vérifier... Mais là, j'ai réussi déjà à faire ça. Alors, on va voir si on peut faire une ouverture. Donc, je vois un mur. Là, je ne suis pas en architecture, je suis littéralement en structure. Hein. Donc, c'est pour ça que ça change. Moi, j'avais testé en architecture. Et bah voilà, j'ai pas ici trouvé pour le moment les ouvertures. Alors, les ouvertures, peut-être qu'il y a des options de dessin qui permettront d'aller plus loin. Et peut-être que je peux changer aussi, hein, si je retourne au rez-de-chaussée ici, tac, voilà, je vais sélectionner le rez-de-chaussée. Alors, lien structurel, appui structurel, tac, ok, je peux faire la toiture, je peux faire la dalle aussi, bah, on va tester la dalle déjà. Donc, dalle... sans chape, on va cliquer ici. Et alors là, qu'est-ce qu'il nous demande? Je pense qu'il va nous demander de faire le tour de la zone. Donc, soit on fait ça, on peut faire ça, soit on peut... ouais, dans un premier temps, on peut très bien s'amuser à faire ça. Pourquoi pas? Et on va voir ce qu'il nous demande maintenant. Si je passe en 3D... Alors, on a bien une dalle. Sauf qu'effectivement, j'ai une dalle, j'étais en rez-de-chaussée. Donc pour lui, la dalle, bah, il l'a fait en bas, ce qui est assez logique. Donc si je clique dessus d'ailleurs, je fais échappe, je vais sur la flèche. Eh bien, je peux régler la dalle classique. Ça peut être un radier par exemple. Ça peut être juste un sol simple, c'est-à-dire celui-là. Voilà, avec une épaisseur de 20, mettons. Voilà, 0,20. Et là, j'ai bien une dalle qui est posée ici. Donc, bah, j'imagine qu'au niveau des contrôles, je peux changer, bien sûr, les points d'accroche. Mais bah, c'est plutôt pas mal au niveau du rendu, je trouve. Il y a bien une dalle qui est matérialisée de cette manière. Dalle que je peux changer. Hein. Si je mets, par exemple, coulé, banché, apparent... ou autre, ça peut être pierre, et ben j'aurai un autre rendu, ce qui est plutôt pas mal. Voilà. Et puis si je veux faire la dalle du dessus, je pense que je vais me mettre plutôt en premier étage. Voilà, premier étage. Et puis là, je vais devoir régler les paramètres de visibilité, à moins que quand je fais ma dalle ici, je dise, voilà, c'est pas le rez-de-chaussée, c'est le premier étage. Et là,
En principe, je vais régler donc quelque chose de basique comme ça. Je vais régler 0,20 et je vais tracer ma dalle de là à là. Alors, nanana, ont été créés, continuer. Je vérifie que ça marche. Ouais. Voilà, donc là, j'ai créé, finalement, j'ai fermé la boîte. Hein. Donc, on pourrait aménager des zones ici. Mais, grosso modo, j'ai fermé la boîte. Donc, on va quand même tester maintenant des... On va quand même tester une coupe pour voir ce que ça peut donner. Mais j'aurais bien voulu quand même trouver... structurel, j'aurais bien... Ah oui, alors, architecture, donc dans dessin architecture, je peux quand même mettre une porte. Donc, ouais, tant qu'à faire, ça serait bien. Sinon, on peut faire des percements. Donc, percements, je peux par exemple percer quelque chose là-dedans. Voilà, bon, là, j'ai percé quelque chose qui fait pas grand-chose. C'est plutôt un tuyau, hein. Un 30 par 30. Par contre... Rien ne m'empêche de placer une ouverture dans le mur bah pour voir une porte se dessiner. Sinon, dessin, je vais aller choisir architecture et je vais choisir carrément porte pour voir ce que ça peut donner. Et voilà, automatiquement, je peux placer maintenant une porte de 2,10 par 90. Vous avez vu, par défaut, je clique. Voilà, j'ai une porte qui s'est placée. Donc ça, c'est pas mal parce que par défaut, selon le profil choisi, ça ne vient pas surcharger. En revanche, dans dessin, on retrouve quand même des outils d'architecture. Ça me rassure. Fenêtre. Alors, je ne l'ai pas validé la porte, on dirait. Ouais. Fenêtre, je vais la mettre ici. Je valide avec... si je fais échappe, c'est bon. Je vais retourner chercher une porte. Ici. Donc, je valide ma porte avec un... Ah oui, parce que en fait, je ne l'avais pas validé. Bref, soit elle s'ouvre comme ça, soit elle s'ouvre comme ça. Je valide. Et j'en place une autre, par exemple, ici. Je valide. Je vais remettre... c'est déjà pas mal. Voilà, donc là, j'ai une fenêtre, on voit. J'ai une porte que je peux paramétrer si je clique ici. Par exemple, je peux passer cette porte à 1 mètre de large. Hop, automatiquement, elle grandit. Même, je peux la mettre à 2,20 m. De haut, voilà, elle est plus grande. Je peux même utiliser les poignées et je peux même la déplacer. Donc ça, c'est super intuitif. Maintenez bien Maj pour déplacer en orbite. Hein. Sinon, vous ne serez que en panoramique. Donc, je maintiens bien Maj plus molette. Et puis là, je me déplace pour regarder. On va essayer de faire une coupe. Donc, si je retourne en rez-de-chaussée... On voit les portes, on voit la fenêtre, on voit la réservation, ça c'est plutôt bien. Et on va se mettre en coupe ici. Donc coupe, j'aimerais bien faire une coupe qui va de là à là. Et je regarde, oui, vers le haut. Et je vais en faire une qui va de là à là. Et je regarde par ici, je valide. Voilà. Donc on va aller voir les coupes qui sont générées normalement automatiquement. Je vois ici qu'il y avait déjà une coupe. Si je double-clique, eh bien j'ai ma première coupe ici et ma deuxième coupe ici. Bah, c'est tout à fait ce que j'ai dessiné hein, en fait. Donc ça c'est plutôt bien, c'est plutôt intuitif. Donc j'ai mon premier étage, j'ai rien pour l'instant. Rez-de-chaussée, bah, voilà mon rez-de-chaussée il est fait. Le sous-sol... Bah, il faudrait que je configure pour voir les impacts, mais ça, je ne le sais pas pour l'instant. Et la 3D, donc générique, axonométrique. Alors, axonométrique, elle est là, ok. Voilà, la perspective générique. Il y a peu de différence entre les deux. Et je peux avoir aussi les façades. Voilà, donc les façades où je peux double-cliquer. Pour afficher les façades, bah là je vois pas grand chose, il n'y a pas d'ouverture là non plus, et là et bien voilà, j'ai ma réservation, j'ai ma porte et j'ai mon espèce de décroché. C'est pour ça que j'ai une ombre comme ça, donc plutôt cool au niveau d'Archicad en structure. On voit que bah, ça fonctionne parfaitement. J'ai la 3D maintenant qui est toujours disponible. Si je clique, je peux modifier à tout moment ma porte. Hein. Je vois ici, je peux la modifier.
Je peux modifier bien sûr, ajouter plein plein de choses. Je peux la basculer hein, en cliquant ici. Ça c'est plutôt bien. Pareil pour la fenêtre. Je peux basculer. Mais là ça ne changera pas grand-chose. Et je peux changer les symboles. Donc franchement, bah, c'est plutôt pratique hein, comme outil. Franchement, c'est plutôt intuitif. Voilà ce que je pouvais vous dire sur Archicad. C'est un outil, donc c'est la deuxième fois que je l'installe. C'était plutôt pour le tester, même si je ne l'utilise pas. On voit quand même que bah, il est très puissant. Il est très très puissant. On génère des plans facilement. On peut donc réaliser des façades, des feuilles de travail, des nomenclatures. Et ici, en structure, eh bien, on peut faire pas mal de choses. On l'a vu, hein. Tout ce qu'il faut, c'est disponible. Et puis, bah, bien sûr, ce qui est bien, c'est que c'est du BIM. Enfin, en tout cas, je peux le modifier en temps réel, on le voit ici. Tout ce que je modifie, c'est modifié de partout. Et voilà, ouais, ça s'apparente à des logiciels dits de BIM, puisqu'on peut retracer tous les éléments dans une sorte de base de données. Donc, ça permet vraiment de gérer le projet de A à Z et de gérer aussi toutes les vues. Directement, quand on modifie une réservation, par exemple celle-là, je la passe en 20 par 20, voilà, et bien automatiquement, elle est modifiée aussi bah, dans toutes les vues. Hein. Donc ça, c'est vraiment l'avantage. Elle est modifiée de partout. Peu importe où on fait la modification, ce sera valable partout. Voilà pour ce tutoriel Archicad, j'espère que ça vous a plu. Alors si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce bleu. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne, hein, parce qu'il y a beaucoup de vidéos qui tombent. Pensez à faire un tour sur la boutique, il y a plein d'outils DAO de formation. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous. Ciao!